desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todo lo que. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. And in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. To believe that, because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Thank you, Mr. Speaker. Well, he talks about the rules, and let me repeat what I said to the Honourable Lady across the aisle. كان يحبها الكثيرون إنها سيارة فولكسفاجن. 11 مليون من هذه السيارة التي تعمل على الديزل مشمولة. हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें. 破坏香港社会秩序，损害香港的根本利益，是对一国两制底线的公然挑战。我们对此予以强。 Well, I think it's so unfair because, you know, Hillary Clinton goes to see an Adele concert last night. I have stopped. I did 8 stops yesterday. 4, 3, 2, 1.
voyage était très long. Plonger dans le fond de cet océan était une aventure des plus solitaires. J'avançais dans ce vide obscur et me plongeais dans un monde froid et mystérieux. L'océan était ma maison. Je pensais en avoir fait le tour, mais l'atmosphère qui m'entourait rappelait sans cesse mes plus profondes angoisses. J'eus l'impression de distinguer une silhouette au fond de l'eau, une silhouette méconnaissable. Je me sentais observé. Son regard était rempli de haine. Ses yeux brillaient dans l'obscurité abyssale. Mes doutes n'étaient pas infondés. Plus je m'approchais, plus je ressentais la violence de cet être. Son agressivité était sans pareille, et ses coups étaient semblables à la violence de la tempête qui faisait rage. Des formes gigantesques envahissaient mon champ de vision, mais le destin tourna en ma faveur, et je réussis à capturer ma proie. J'étais sur le point de m'enfuir quand soudain je perdis le contrôle de mon corps. Je ne pouvais plus me défendre. Cette bataille semblait interminable. Je pensais qu'ils auraient eu pitié de moi, mais même sans défense, ils me transpercèrent de toutes parts. Mon corps s'engloutissait dans les fonds marins, tandis que les hommes essayaient de récupérer les restes de ma carcasse. Mais ma place était au fond de l'océan. J'aurais aimé que cette fin soit autre, mais après tout, que valait ma vie aux yeux des humains ?